Alléluia. Merci Seigneur, Père de grâce. Seigneur, ce matin, nous voulons célébrer ton nom. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Ce matin, nous voulons t'inviter, Seigneur, t'inviter à inonder de ta présence, à inonder nos cœurs, à inonder nos vies, à inonder tous les lieux où nous tenons dans ta présence, Seigneur. Inonde-nous. Inonde-nous. Enveloppe-nous de ton amour. Ce matin encore, nous sommes venus à ta rencontre parce que tu as dit approchez-vous. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Inonde-nous, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, je t'en prie. Inonde mon cœur, c'est ma prière. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, j'ai besoin de toi, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde mon cœur, transforme ma vie, inonde mon cœur, oh, inonde mon cœur, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, je suis à toi, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, inonde, inonde mon cœur, c'est ma prière, de mon cœur, c'est mon désir, inonde mon cœur, inonde mon cœur, ma vie, ma vie, ma vie t'appartient, je suis à toi, je te donne, je te donne ce que je suis, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, je dis ma vie t'appartient, elle est à toi, car tu l'as rachetée au prix de ton sang, t'appartient, oui, ma vie t'appartient, alors inonde mon cœur, c'est notre prière. Nous sommes venus dans ta présence pour être inondés, pour être saturés. Inonde mon cœur, inonde, inonde. Nous sommes à toi, Seigneur, remplis-nous de toi. S'il te plaît, fais-le, inonde mon cœur, je lis ma vie, c'est une offrande, ma vie est une offrande, elle est à toi, seul, Seigneur, ma vie, je suis à toi, la respiration que tu me donnes est à toi, la vigueur, la force que tu m'accordes sont pour toi, je veux faire ta volonté chaque jour, ma vie t'appartient, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'ai été racheté par Dieu, le sang de Jésus a coulé, ma vie t'appartient, oh ma vie. Ma vie t'appartient, ce n'est pas un chant, c'est une prière, c'est la vérité, c'est une déclaration d'appartenance. Oh oui,
Ma vie, ma vie t'appartient. Est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que c'est véritablement inscrit en toi? Est-ce que sont tes pensées, ta volonté? Bien aimé, si c'est la vérité, dis-lui ma vie. Si tu es concerné, dis-lui, offre-toi à celui qui t'a aimé et t'a aimé le premier. Il est digne de recevoir nos vies en offrande. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, je suis à toi, ma vie est à toi. Il faut qu'elle serve, il faut qu'elle compte, il faut qu'elle serve les intérêts du royaume. Il faut que chaque jour contribue au royaume. Oh, ma vie, en 2022, chaque jour est pour toi, je déclare. Ma vie t'appartient, je t'appartiens, vie t'appartient. C'est plus qu'un chant, c'est une déclaration. Ma vie, ma vie t'appartient, Seigneur. Ce que je suis et ce que j'ai, tout est à toi, tout appartient. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie t'appartient. Et je ne suis pas seul, parce que ma sœur le déclare aussi, parce que mon frère le déclare également. Nos vies t'appartiennent. Ma vie t'appartient, elle est à toi. Ma vie est une offrande, elle est à toi. Mes mains sont pour toi, mes pieds aussi. Ma bouche t'appartient. Ma vie t'appartient, ma vitalité, mes dons, mes talents, je les pose tout sur l'autel des sacrifices. Ma vie t'appartient, ce que j'ai est à toi, mes finances, tout ce que j'ai, je le mets à disposition du royaume, car tout appartient au grand roi de gloire. Ma vie, tu es Adonai, le propriétaire de ma vie, c'est toi. Ma vie t'appartient, le Kurios, le propriétaire, c'est toi. Ma vie, ma vie, ma vie t'appartient. Mariso Eva Marichia Maros et Keteya Ramasana Yori Bosea. Tiens, ma vie, ma vie, ma vie, alors inonde, inonde mon cœur, de mon cœur, fais-le, fais-le, inonde-moi de tes pensées, inonde-moi de ton amour, ah, inonde, chaque jour, renouvelle, c'est mes forces, inonde, inonde, inonde mon cœur. Oh, je suis un vase qui t'appartient. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton esprit. Inonde, inonde mon cœur. Dis-lui, est-ce que tu es en train de lui dire? Et lorsque tu le fais, il le fait. Lorsque tu demandes, il te remplit. Inonde mon cœur. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, inonde. Oh, enlève le cœur de pierre et place en nous un cœur de chair, un cœur docile et obéissant. Inonde-nous de tes pensées, des pensées de l'éternité. Inonde, inonde, inonde mon cœur. C'est ma prière. Inonde mon cœur. C'est celle de mon frère. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Nous voulons de
inonde mon cœur, inonde nos cœurs, inonde mon cœur, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent, nous sommes à toi, nos vies. Nous sommes le peuple de Dieu. Oh, disons nos vies t'appartiennent. Elles ne sont pas pour nous-mêmes. Elles ne sont pas pour nous-mêmes. Elles sont pour toi. Tu les as rachetées. Oh, t'appartiennent. Disons nos vies, t'appartiennent. Nos finances aussi, notre vitalité, notre temps aussi, t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Encore une fois proclamons, nous prêtons allégeance à l'agneau de Dieu, à l'Adonai, au Kurios, au propriétaire de nos vies, nos vies, nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Alors bien-aimé, élève la voix et proclame avec tes propres mots. Déclare avec tes propres mots ton allégeance à Dieu. Déclare avec tes propres mots ton appartenance à Dieu. Seigneur, je veux le faire moi aussi au milieu de l'assemblée des fidèles. Alors que mon frère est en train de déclarer qu'il t'appartient. Alors que ma sœur est en train de déclarer qu'elle t'appartient moi aussi au milieu de mes bien-aimés. Au milieu de l'assemblée des rachetés. Au milieu de l'assemblée des fidèles. Je veux te dire que je t'appartiens. Ma vie est à toi. La force que tu me donnes, je la donne, je la mets au service des intérêts supérieurs du royaume. Ce que tu mets entre tes mains est la possession de Dieu. C'est à toi, ce que j'ai est à toi, mon corps est à toi. L'intelligence que tu m'as mis, la sagesse que tu as mis en moi, les talents, les dons, tout cela, je les mets à la disposition du royaume. Ce que je possède est à toi, ma famille t'appartient, je te livre le fruit de mes entrailles, mes enfants t'appartiennent, ma famille, mon foyer, tout t'appartient, tout est à toi, tout est à toi, tu es le propriétaire de ma vie, tu es le propriétaire, chaque jour que tu me donnes, chaque jour que tu m'accordes, je te le redonne, je te le donne en retour, la vigueur que tu me donnes, elle sert pour le royaume, le temps que tu m'accordes, je le donne pour le royaume, parce que tu as un objectif, Seigneur, ton cœur est empressé, empressé de sauver dans cette dispensation de l'éternité. Tu veux sauver le mot d'ordre au ciel, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut, c'est sauver le maximum d'hommes, le maximum de femmes, le maximum de foyers, le maximum de familles. Alors nous mettons tout, toutes les ressources. Sources du royaume sont tournées vers cet objectif. Toutes les forces vives du royaume sont mises ensemble pour cet objectif. Le salut des nations, le salut, parce que viendra un temps où il sera trop tard. C'est le moment. Alors toutes, c'est nous qui nous offrons. C'est nous participons à l'effort de guerre spirituelle, à l'effort de guerre, comme dans une nation qui est en guerre. Tout le monde participe. Il y a ceux qui sont au front, il y a ceux qui sont aux premières lignes. Et à ceux qui sont derrière et qui sont dans les usines et qui produisent les obus, qui produisent les chars d'assaut. Nous ne sommes pas en train de combattre avec des armes charnelles, avec des armes physiques, mais nous combattons avec les armes que tu nous donnes. Et la première chose que nous devons faire, c'est nous rendre disponibles. C'est nous rendre disponibles. Nous ne sommes pas des déserteurs. Nos finances ne déserteront pas. Nos finances serviront le royaume. Notre vie servira le royaume, notre intelligence servira le royaume, notre force servira le royaume. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous
nous servirons le roi de gloire, moi et ma maison, moi et ma famille, toutes ces familles que tu as sauvées, tu les as sauvées pour contribuer à l'effort de guerre spirituelle, pour rapatrier, pour sauver des vies, pour sauver des familles, pour sauver des nations. Alors oui Seigneur, ce n'est pas un chant, c'est plus qu'un chant, c'est une déclaration, nous t'appartenons, ce que nous sommes est à toi, ce que nous avons est à toi. Oh, nos vies t'appartiennent, disons. Nos vies t'appartiennent. Oh, 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 oh. Nos vies t'appartiennent. Nous nous enrôlons dans l'armée du ciel, dans l'armée du royaume. Nous voulons fournir des efforts, les efforts, l'effort de guerre. Ah, 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 nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent, encore une fois, nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. La rido s'est amalée. Ah, merci Seigneur. Oui. Nous renouvelons notre engagement à servir les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Où que nous soyons, ta présence est là. Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors même si mon frère ou ma soeur est connecté seul dans sa chambre quelque part, en vérité il n'est pas seul parce qu'il rejoint à travers les nouvelles technologies, des milliers de frères et de sœurs. Alors où que nous soyons, Seigneur, établis ton règne, manifeste ta présence. Ta présence est partout, parce que tu es omniprésent. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas juste ta présence manifeste, c'est-à-dire ta présence active, ta présence en mouvement. Merci, Seigneur. Ce matin encore, s'il te plaît, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Nous voulons nous asseoir à tes pieds et nous voulons recevoir la bonne part, la part de ta parole, celle qui ne nous sera point ôtée, celle qui est en mesure de transformer nos vies et de donner du relief à notre existence. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour chacun d'entre nous et pour le projet que tu as pour nous en tant que famille et que tu as pour nous en tant qu'individu, parce que chacun de nous compte. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom le plus grand, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus redoutable, nous l'avons chanté tout à l'heure, dans le nom le plus redoutable de tout l'univers, du monde visible et du monde invisible, le nom le plus haut, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom qui peut être nommé. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous avons ainsi prié, avec foi, avec action de grâce.